Salut à tous et à toutes, c'est The Frasier Question. Avant que la vidéo donc de FIFA Ultimate Team commence, je tenais juste à vous informer donc de ce qui va arriver par la suite sur la chaîne. Donc déjà, pour ceux qui veulent m'ajouter sur Skype, n'hésitez pas à le faire. Donc vous m'envoyez simplement un MP de votre Skype et je vous ajouterai moi-même. Comme ça, vous pourrez, comment dire, savoir déjà parler avec moi, hein, de deux, de une, et de deux, de pouvoir peut-être jouer avec moi dans des jeux, en vidéo, etc. Donc ça, le premier point à aborder, c'est fait. Donc Skype, participation, abonné. Donc n'hésitez pas à venir sur ce compte Skype. Donc n'hésitez pas surtout à m'envoyer des MP. Je répondrai. Je répondrai. Je vous ajouterai en Skype. Et puis voilà. Ensuite, donc le second truc qui sera donc un peu plus long à parler, ce sera donc le planning. Donc oui, ça y est, je passe à un planning parce que je trouve que c'est plus ordonné, c'est plus pour moi facile à pouvoir faire mes vidéos. Et donc le planning que vous allez voir ci-dessous, donc vous allez voir maintenant affichable sur le montage, bien sûr. Le planning qui sera donc le lundi, hein, donc là je vous explique, hein, là, je vais expliquer le planning qui va. Donc le lundi, ça sera donc soit un playthrough de Borderlands 2, de Halo 3 ou autre, ou un live. Donc attention, j'explique, le playthrough ça peut être un live, c'est-à-dire qu'en gros, je vais faire le playthrough en un coup, bah, peut-être pas en un coup, mais en live, c'est-à-dire pendant 2 heures, 3 heures, je vais faire un live. Donc je vais tester à faire des lives sur YouTube. Donc n'hésitez pas toujours à suivre ma chaîne, etc., parce que c'est important. Les lives, etc. Donc il y aura peut-être des lives qui va se faire, je sais pas encore, on verra, parce qu'il faut voir aussi ma connexion. Là, je suis pas du 100 mégas, je fais du 30 mégas. Ensuite, donc on passe au mardi, donc Minecraft, donc toutes les séries par rapport à Minecraft, MAPPA 2, une autre série qui viendra dans pas longtemps, et d'autres trucs, hein, peut-être, on verra, je ne sais pas. L'avenir nous le dira en tout cas. Mercredi du FIFA, donc du FIFA Ultimate Team, il y a que ça, de toute façon, ou peut-être des matchs comme ça, mais je pense plutôt à faire du Ultimate Team, hein, il y aura pas de trucs. Jeudi du Minecraft ou de la détente, ça dépend. C'est-à-dire que c'est ça. Si j'ai pas de vidéo Minecraft tournée, ou si j'ai envie de faire une vidéo détente tranquillement comme ça, eh bien les deux sont combles. Ça se comble en gros. C'est-à-dire si je peux faire une vidéo détente, bah en fait c'est pareil. En gros tout partout c'est pareil. C'est-à-dire si j'ai pas de vidéo, eh ben ça sera une vidéo détente tranquillement sur un autre jeu, sur comme ça ou pour parler, etc. En tout cas tous les trucs en gros lundi, mardi, mercredi, jeudi, rien, sont tous faits pour être en détente. Il y a un certain moment où c'est en détente. Donc jeudi Minecraft ou détente, vendredi FIFA, là par contre là non, FIFA ou Playthrough. Donc c'est-à-dire que si j'ai pas de FIFA à ma disposition, c'est-à-dire j'ai pas eu le temps de tourner, j'arrive pas à tourner ou autre, j'ai pas la motivation d'aller sur FIFA, eh bien je ferai le Playthrough si j'en ai bien sûr dans mon petit stock. Hein, donc comme d'habitude je dis ça mais c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Samedi nous aurons donc du Call of Duty, il y aura la classe aléatoire et comme vous pouvez voir une autre série. Donc ça sera dans le futur, je vous le dirai, n'inquiétez pas, vous inquiétez pas, les détails arriveront au fur et à mesure. Et bien sûr, GTA 4 dans GTA 4 en mode libre. Et puis peut-être d'autres séries qui viendront parce que j'ai prévu de faire pas mal de vidéos avec GTA. Je retrouve mes sensations. C'est pour ça que je vais faire un planning. C'est pour que vous ayez plus de vidéos. Parce que là, faire qu'une vidéo tous les 3-4 jours, c'est vraiment très rare, très long. Du coup, c'est très long à avoir par exemple des vidéos de GTA plus souvent, des vidéos de Minecraft plus souvent. Pour ceux qui aiment bien Minecraft, pour ceux qui aiment bien Call of, ben eux, ils auront le Call of le samedi. Ceux qui aiment bien GTA, ils auront dimanche le GTA. Mais attention, ça se peut que GTA, ça sera aussi, et je vais le noter parce que là, j'avais pas noté, le mercredi. Ça veut dire qu'en gros, vous aurez donc dimanche et mercredi, voire d'autres jours. C'est vraiment, en fait, il y a un planning, mais ça peut toujours être de l'improvisation. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une vidéo par jour, mais après, ça peut être de l'improvisation. C'est-à-dire que le planning, je vais le tenir, hein, je vais essayer de le tenir, mais des moments, ça pourrait être de l'improvisation dans le sens où je pourrais peut-être pas faire le playthrough d'un coup, etc. Donc voilà, c'est de l'improvisation à mort. Donc voilà, ça c'est dit. Et j'espère que vous en tiendrez compte. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite écoute de planning. Maintenant, vous allez passer donc à cette vidéo de FIFA Ultimate Team qui en vaut le détour et qui vous allez voir créer des surprises à la fin de la vidéo. Car je ne vous en dis pas plus. Maintenant, c'est à vous de regarder. Allez, à tout de suite. Et là, c'est ça pourquoi j'ai perdu autant de crédit, c'est parce que je pouvais pas résister en fait. J'aimais bien le style à Benzema, sa façon de dribbler, sa façon de courir. Et du coup, bah, je l'ai pris pour l'instant. Bon, bah, il est pas non plus mort, hein. Il a fait que 3 matchs, 2 buts, donc bon, c'est le début. Ouh le nom sur la headshot! Feet can keep on the ground. À la 45ème minute. Can't stay in one place. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est The Frasier Question pour une nouvelle vidéo, donc en ma compagnie, pour donc la vidéo de FIFA 13 Ultimate Team, épisode 6, que nous avons laissé donc sur cette victoire de Manchester, de nous, pardon, sur Manchester United, et je vous avais laissé là, mais par contre, bien sûr, je vous l'avais dit,
des moments où je jouerai sans faire la vidéo, et il y a du changement. Alors, par rapport à l'ancienne vidéo, je me rappelle plus ce qu'il y avait comme changement, il faudra que je revoie. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de changements déjà. Pour ceux qui disaient que j'avais pas fait une autre équipe, je suis en train d'en faire une autre, vous allez voir, regardez. Donc là, on a l'équipe active. Donc là, ne regardez pas les joueurs tout de suite, hein. Ne regardez pas les joueurs tout de suite, attendez un petit peu avant que je vous présente nos nouveaux joueurs. Donc on va faire action équipe et sélecteur équipe. Donc là, j'avais l'IVA20, maintenant je vais jouer en 5-2-1-2 avec cette Libercourt. Et j'ai joué, comme vous l'avez dit, et que j'avais même prévu sans vous le dites, pardon, en Barclays Premier League. Donc bien sûr, là par contre, c'est normal, ils sont tous là, c'est des joueurs un peu... mais ils sont changés par des joueurs de première ligue et qui seront super bons, je présume. Mais ça, pour ça, il faut que j'ai quand même pas le crédit, parce que regardez les crédits, j'en ai perdu pas mal. Mais vous allez comprendre pourquoi maintenant, en faisant merde, en faisant ça. Et oui, déjà, on est direct dans le feu de l'action dans cet épisode. On vous explique, merde, j'ai fait créer une nouvelle équipe. Non, créez pas de nouvelle équipe, pas de faire foutre. Eh merde, en plus, je suis en train de conneries. Oh là 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 là, ça s'enchaîne très bien avec moi, c'est toujours la top forme. Donc voilà, donc nous allons reprendre Liévin. En 4-3-3, bien entendu. Et là, qu'est-ce que vous voyez comme changement? Alors, par contre, je m'en rappelle plus, en fait. C'est ça le truc. C'est, je m'en rappelle plus ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas vu. Alors, je crois que vous n'avez pas vu le DC. Le nouveau DC central que j'ai pris. Qui est très très bon. Regardez, vous voyez, 80 de vitesse, 80 de défense. Je l'ai acheté. Bon, j'ai pas l'impression qu'il est présent, mais il est là. Après, il y a aussi, Mavuba. Mais ça, chez Mavuba, je pense que ouais, il était déjà là. Paillé, par contre. Paillé, ça, je sais pas si vous l'avez déjà vu, lui. Non. Je suis pas sûr. Donc voilà, il y a Paillé. Payet qui est, que j'ai enfin recruté un attaque en gauche, que ça va, il est potable, et il joue bien, bon, il a une super frappe, ce joueur-là. Je vous conseille, ceux qui aiment bien tirer des frappes droites, chier, what, et qu'il est super puissant, et de moins, le gardien ne se laisse avoir comme une merde. Et là, c'est ça, pourquoi j'ai perdu autant de crédit, c'est parce que je pouvais pas résister, en fait. J'aimais bien le style à Benzema, sa façon de dribbler, sa façon de courir, et du coup, bah, je l'ai pris, pour l'instant, bon, bah, il est pas non plus mort, il a fait que 3 matchs, 2 buts, donc bon, c'est le début. Mais en tout cas, pour l'instant, il a remplacé Loïc Rémy, et Loïc Rémy ne vous le verrez plus, car j'ai aussi recruté un buteur de luxe qui s'appelle Samuel Eto'o, et que lui aussi, il est très très bien. Ensuite, on a aussi donc Jovinko, attaque en gauche, je crois que celui-là aussi, vous l'avez pas vu. Marquisio, MC, donc encore une fois, un remplaçant de luxe, Mandanda qui bouge pas, mais qui est, je vous le dis, hein, entre Mandanda et Diego Alves, je préfère lui, là, hein. Je préfère Diego Alves, il est énorme de chez énorme. Ensuite, où est-ce qu'on a pu voir? Ouais, ben c'est bon, je pense. Ouais, il y a pas. Et puis aussi, l'entraîneur, vous pouvez voir, c'est plus, je sais plus quel entraîneur, comme brésilien, mais là, c'est, pourquoi je fais à lui? Bon, c'est pas grave. C'est un entraîneur espagnol, Scolari. Luis Felipe Scolari. Voilà. Donc, nous, on s'est arrêté, sur le match de Manchester, et comme vous avez dit, nous allons donc jouer normalement face à Dortmund, pour la suite de notre saison. Et donc pour la suite de notre saison, nous serons face à Dortmund après Manchester United. Et comme je vous l'ai dit, après Dortmund, je crois, attendez, excusez-moi de répéter au moins 3000 fois devant Dortmund. Après voilà, donc après ça sera plus que ces deux matchs-là, il y aura un en résumé et un en live. Donc l'épisode 7, ce sera résumé, non, live et résumé, dans le sens où live c'est Chelsea, résumé c'est l'Inter, étant donné que c'est en international, c'est pas très intéressant pour vous. Donc voilà, donc là on va passer au match, bien entendu, parce qu'on va pas attendre plus que ça. Je vous ai un peu présenté mes nouveaux joueurs, hein, ceux qui sont là. Et bien sûr, attendez, je vous fais voir un truc. Regardez les pages de contrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Environ 6 pages de contrat. Je vous le dis, j'ai acheté des contrats, j'en ai profité pour dire que je sois vraiment bien, bien tranquille. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant le chiffre principal de moi, ça va être d'acheter des joueurs. Pour mon autre équipe, et bien sûr à tester, mais là pour l'instant, on est tranquille avec cette équipe. Là, je vous dis, l'équipe, là, elle est bonne. Hein. Là, c'est fini, on va dire qu'elle est presque finalisée, il n'y a plus rien à changer. Donc les joueurs sont en forme, et ben c'est parti pour notre match ultime. On va les mettre en jaune, on les verra très très bien, comme cela. Si je fais pas jouer match, ça va pas aller du tout, hein. Excusez-moi. Et le centre! Non, je rigole. C'est n'importe quoi ce que je fais, mais c'est pas grave. C'est la vie, c'est la vida. C'est je ne sais quoi. Et donc, nous sommes partis pour le match. Match team. Face à Dortmund, attention, c'est une équipe à redouter. Vous allez pouvoir, ceux qui regardent le foot en vrai, en réel, que Dortmund a complètement massacré le Real, et tandis que le Bayern aussi a massacré le Barça. Les clubs espagnols se sont fait tellement massacrer en Ligue des Champions que j'ai adoré ça. Et oui, j'aime plus trop la domination espagnole de quand en championnat du monde, en tout. Je sais que ça va peut-être ailleurs certains, mais j'aime pas, moi. J'aime pas une domination trop totale, j'aime bien quand il y a du...
quand il y a du, comment dire ça, il y a du concurrent, de la concurrence, voilà, que c'est pas les mêmes qui gagnent tout le temps à chaque fois, c'est toujours bien. Je dis pas qu'ils ont gagné toutes les Ligues des Champions depuis quelques années, mais je veux dire que on parle que de eux. Par exemple, Chelsea, regardez, grâce à eux, Chelsea, ils ont gagné l'année dernière. On a presque jamais parlé d'eux, hein, c'est ça. Alors que, par contre, Barça, Real, vas-y qu'on parle d'eux. Par contre, oulala, c'est quoi cette action peut-être? Oh oui, regardez! Interception, mais dommage, je sors un peu trop fort. C'était un peu chelou quand même, j'ai l'impression. Le ball, pfff, personne n'allait dessus, les défenseurs étaient un peu cons, comme si, ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, vous voyez. Oh, une petite main là, c'est quoi ça? Ah non, une petite main pour nous. Ah, c'est mieux. Attention, ils continuent, regardez, ils jouent rapidement Dortmund, c'est ce que je vous disais. Ils sont dangereux, je pense, comparé aux autres équipes. Ouais, voilà, il joue vraiment rapide, une passe, what? Oh là, il l'avait vu, j'ai vu en plus. Ah, c'est bon. Mon gardien là, on est sauvé. La passe pour Walcott. Walcott, la vitesse, non, peut-être pas assez. Ah, dommage. Ça continue. Non, mais regardez-moi ce jeu rapide qu'ils nous font. Ouh, purée, j'ai fait un truc. Là, ils sont en train de nous mettre la pâtée niveau domination et possession de balle, surtout. Niveau d'occasion, pour l'instant, ils ont rien mis. À part la tête, ils ont rien mis. Attention, peut-être une contre-attaque. Oui, c'est une contre-attaque. Le centre, la tête, non. Par contre, le tir. Ouh, le gardien quitte la sauve, mais d'une façon de remarquable. Là, c'est vraiment sauvé de justesse. Attention, la tête, peut-être. Ouh, la poteau, le poteau, le poteau. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, 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 on n'y croit pas. On y croit, allez, on y pousse, là, on pousse jusqu'au bout. Oh merde, j'ai perdu le ballon, j'ai fait le con. Allez, contre-attaque peut-être pour Dortmund. Non, c'est bon, repris. You! Non, Benzema, tu es nul, tu es nul, tu es nul. En fait, j'aurais peut-être pas dû t'acheter. Tu n'aurais pas dû être acheté. Dortmund, Dortmund, Dortmund. Quel ballon, oh là là. Contre-attaque, superbe le tir. Non, le défenseur qui était là. C'est trop bon, ça. Bon, par contre, attention, Villa. Villa qui passe la balle à Payet, Payet. Payet qui va en haut, qui passe en haut, attention, il va peut-être centrer, il va se centrer, il centre, il y a personne en dessous de lui. Oh là 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 là. Benzema qui avait personne sur lui, et le gardien l'arrête magnifiquement. Et oh, mais c'est pas vrai. Oh là là, j'y crois pas. Vous voyez ça, hein, transversal, poteau avec les têtes deux fois. Alors là, c'est le cocu du jour, le gardien de Dortmund. Le gros cocu du jour, hein. N'oublie pas qu'il faut gagner pour gagner ce championnat. Et oui, vous avez compris la logique que je viens de dire, mais normal. Donc oui, il faut gagner pour gagner ce championnat. Et on est mal parti si on reste avec 0-0. Car là, même si on a mis des poteaux, c'est pas suffisant. Il faut marquer. Allez, Benzema. Benzema qui a vu Dimitri Payet courir. Oui, c'est bien ça. Non, par contre, Dimitri Payet va se faire reprendre. Et allez, non. Faute, faute. C'est bien, faute. Ah, peut-être le centre. Attends, on se met bien. Regardez la caméra là, mais bien. Voilà. Le centre. La tête. Non, dommage. Le tir. Ah, oh, à côté. C'est complètement à côté. Alors, normalement, à remarquer aussi. Normalement, j'ai un peu amélioré la netteté de la vidéo. Hein, je dis bien, j'ai un peu amélioré la netteté. Je sais pas si ça va se voir. Mais si ça se voit, dites-le en commentaire parce que je voudrais bien avoir des avis. J'ai eu un avis de mon ami. Bon, il me l'a donné, mais voilà, sans plus. Il m'a fait, ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. Il s'est vraiment me dire si c'est vraiment comparé aux autres. Si mais il me l'a pas dit. Donc, si vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. Je serai preneur de vos informations. Et donc, je ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne savaient pas pour les détails de Skype, c'est parti, la saison est lancée, non, je déconne, on parle pas de saison, mais en tout cas, c'est parti, c'est lancé, je vous ajoute tous sur Skype, donc ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire tout de suite, maintenant, c'est juste simple, vous me donnez votre pseudo Skype en MP, puis moi, je l'ajoute moi-même en étant un bon samaritain, je l'ajoute tranquillement. Attention, 6 secondes, on continue, donc on reprend là où on s'était arrêté, hein, même si on était encore en train de jouer. Ou peut-être, c'est bien vu. Oh, c'est bien vu pour Walcott. Allez, Walcott, mon petit, tu ne perds pas le ballon, voilà, c'est bien. Le centre, non, le gardien est là. Le gardien qui est à la réception du centre. Ah, le bâtard, je peux plus y aller en vrai. Et la mi-temps 0-0, c'est un peu comme le PSG, c'était quand même chaud, mais je sens que ça va s'éclater à la seconde période, car les joueurs vont être sûrement épuisés, ce qui fait que nous, on pourra profiter de cette faille, bien entendu. Allez, regardez, regardez. Oh putain, je fais pas le ballon. Ah, attention, Walcott. Walcott. Centre, la tête de Benzema. Non, l'arrêt du gardien. Allez, on continue sur cette action qui nous fait chier, sa maman.
Et pardon pour les gros mots. Ah, 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 oui, peut-être. Oh oui, magnifique interception de Mavouba. Attention, c'est pas fini. Walcott. Walcott, l'accélération. Je t'ai dit d'accélérer. Oh oui, ça c'est bien vu. Oh non. Ça c'est bien vu. Non. Toujours pas. Ça veut pas. Ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Non. Ah, non, 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 non. Tu passeras pas. Tu passeras pas. Tu passeras pas, je t'avais dit. Benzema qui prend le ballon. Il a vu. Walcott a vu Dimitri Payet. Dimitri Payet qui court. Dimitri Payet qui court le tir. Oh là là, le bourrin. Quel but magnifique de Dimitri Payet. On a pu qu'à tenir ce score ou essayer de mettre encore plus de buts. En tout cas, regardez-moi ce bourrin. Je pensais qu'il allait tirer à droite du. Ben, pour le gardien à gauche, mais en tout cas à droite pour nous, hein, dans son but. Et là, il a tiré à gauche et donc à droite pour le gardien. Donc là, je m'en mêle les mots, mais c'est pas grave. Attention, peut-être contre-attaque pour Dortmund. Dortmund qui a le ballon. Dortmund qui centre. Ouh, la tête. Ça va, ça passe au-dessus. Au corner. Hein, c'est bon, ça passe bien au-dessus. Allez, on continue. Ah non, il l'a repris. Allez, peut-être. Allez, allez, Mavouba. Allez, Mavouba. Oui, c'est ça. Tu passes à Walcott. Non, Walcott, tu perds pas le ballon. Voilà, Walcott, t'es bon. Là, t'es bon. Le centre. Non. Oh, attendez, regardez. Oh, dommage. Le défenseur qui m'a fait la passe. Ça aurait pu être un petit but, tranquille, quoi, vous voyez. Allez, on reprend encore une fois le ballon. Là, Benzema avait bien vu Walcott. Le Walcott le tire. Et encore une fois à côté, c'est dommage. Ça aurait pu passer dedans. Ah, et un remplacement du côté de Dortmund. Un remplacement. On va attendre, ouais, ta gueule, le 6-5 là. Allez, 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 allez. Ouais, on a compris que tu faisais ta beauté là, l'arbitre là. Et c'est donc Bender qui remplace Blazieszkowski. Je fais la connerie de dire un nom comme ça, mais c'est pas grave. Interception. Oh non, là j'ai mal vu. Là c'était pourri de chez pourri, la passe en profondeur. Mal tenté. Donc du coup ça a reprofité à Dortmund, donc ça a reprofité à Dortmund. Attention Benzema. Benzema le tir encore à la tête, allez, non, oui, ah, oui. Ah. D'accord. Il a fait n'importe quoi Benzema et là il va mériter une sanction, un petit coup de fouet dans sa tête. Hein. Ça le remettra bien sur pied. Attention peut-être. Non. Pas d'attaque de Dortmund car j'ai vu encore une fois cette attaque par moi-même. Et attention, Benzema, encore une fois, qui sait pas jouer. Qui a les pieds au carré. Alors, pour l'équipe de Barclays, de Première Ligue, si vous avez des conseils comme quel joueur acheter, bien sûr, ne m'appelez pas tout de suite me dire, ouais, les joueurs les plus chers, mais les joueurs qui sont très très bons, mais qui sont pas non plus excessifs. C'est ça que je voudrais savoir. Donc, si vous avez des conseils là-dessus, n'hésitez pas à le poster sur cette vidéo, hein, sur cette vidéo seulement, parce que bon, c'est seulement maintenant que je la demande, mais sur cet épisode 6. N'hésitez pas à poster ces commentaires pour me donner cet avis. Parce que comme je l'ai dit, je voudrais vraiment être interactif avec vous. Donc c'est-à-dire si vous avez des conseils, je les regarderai. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui avaient commenté, qui avaient quoi, c'est la première ligue, je l'ai écouté en même temps. Donc voilà, donc c'est pour ça. Et oulala, qu'est-ce qu'il me fout, Diego Alves. Oulala, je vais le taper, tu vas voir. Et encore un remplacement du côté de Dortmund, donc ça nous permet donc de parler donc de ça, de ce que je disais. Donc n'hésitez pas à réagir, à commenter. Je vous répondrai, je vous ajouterai sur Skype si vous avez besoin d'être ajouté sur Skype. Et pour les vidéos sur GTA, n'hésitez pas, car dans pas longtemps, je vais bientôt faire ces vidéos sur GTA. Donc, il faut vraiment pas hésiter, je veux vraiment que vous soyez un peu actifs sur ma chaîne, j'ai pas envie que vous deveniez inactifs comme certains. C'est pour ça que je veux vraiment que vous participiez, que vous restez totalement actifs et spectateurs en même temps de ma chaîne. Attention, Benzema peut-être qui a pris le ballon, mais c'était déjà hors jeu. Je tue plus espèce de Benzema. Une faute pour nous, pour eux, what the fuck, je vais lui faire une main, je pense. Oh, il a voulu faire une belle passe comme moi je fais dans mes corners, des coups francs, mais il s'est loupé. Oh purée, dommage, dommage que Walcott n'ait pas continué sa course. Allez, allez, oh purée, ça c'est bien joué de la part de Dortmund. Et il continue, regarde, il continue d'attaquer, hein, heureusement. Oh putain non, oh c'est dégueulasse, oh c'est dégueulasse. Oh non, à la 89e minute, je vais pas aider mais ça, non. Allez, Walcott. Oh non. Le titre de champion s'envole si je fais ça. Allez, on pousse le ballon. Hein. Allez, Benzé.
Non, 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 non. Non! Et c'est la fin du match! Là, le titre ne sera plus jouable! Ça y est, une équipe m'a enfin retenu, m'a pas en défaite, mais en match nul. Le fait que je ne pourrais plus faire la victoire, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et à ce prix-là, oh putain, mais regardez-moi. Ça, c'est des buts, franchement, qui sont décisifs. Mais quand je vous dis décisif, c'est décisif. Et on ne l'a pas mis, il y a que Payet qui a réussi à mettre le but qui nous a permis de faire quelque chose d'intéressant. Et là, regardez, oh putain, c'est dommage. C'est dommage, quoi, pour finir sur un but comme ça, dommage, Diego Alves. Diego Alves a sauvé le premier but, mais il pouvait pas faire les deux, et oh, ce but. Je suis encore en train de me dire, putain, s'il aurait mis la tête, ça aurait peut-être pu nous sauver, mais non. Et quand même, regardez-moi ça, les hommes du match, c'est pas de notre côté, c'est bien sûr du côté de Dortmund avec Marco Reus, ou je sais plus quoi, comme ça, en tout cas, c'est Reus. Et donc, le titre s'envole, vous allez voir, regardez bien, hein, vous voyez très bien, 20 points. Il reste plus que 2 matchs, donc ça fait que 26 points, donc c'est fini pour le titre. Dommage pour nous. On fera des matchs, ne hein, vous inquiétez pas, mais je pense que ceux-ci, on les fera en résumé maintenant. Donc du coup, là, je change d'avis. Voilà, regardez, vous restez dans la vision actuelle. Donc du coup, c'est niqué. Attends, quoi, attendez, quoi que. Attendez. Non, vous êtes sérieux? Oh, les salopes! Oh, les salopes! Excusez-moi pour le gros mot. En gros, bah non, vous voyez pas les deux autres matchs, car, eh bien, justement, vu que j'ai pas gagné le titre, eh bien, ça fait que je suis direct resté dans cette division. Du coup, il me change direct. Donc, on va remettre vite fait cette division pour voir qui c'est qu'on va jouer. Ouh là 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 là, mais regardez-moi ça. Donc, on aura donc le Juventus en légende, Real Madrid en ultime, Manchester City en légende. Donc, on aura déjà deux clubs qu'on a déjà joué, les deux là. Le Bayern en pro, donc encore une fois, on va le passer en résumé, celui-là, hein, ça fait la deuxième fois qu'il le fait, donc ça fait pareil. En fait, j'ai la même impression que c'est le même, bah ouais, c'est le même truc que tout à l'heure. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, donc ça, le solo, pour l'instant, je le ferai moi-même tout seul dans mon coin, j'essaierai de les battre et autres. Mais, donc pour vous, mes chers abonnés, mes chers ceux qui suivent sans être abonnés, bien sûr, ceux qui suivent FIFA sans être abonnés, vous allez donc assister à ça. Donc à maintenant, à partir de maintenant, ça sera donc la division en ligne. Comme vous pouvez voir, j'ai mis une claque à un joueur qui avait pris Barcelone et autres. J'ai mis 6-1, après 2-2, 1-2. Vous voyez, c'est vraiment équitable. Hein. J'ai fait sur cette division pour l'instant dans cette division 1. Donc c'est ça que je jouais hein, pour l'instant avec mes crédits et autres. C'était ça. Hein. J'étais en division 5 et j'étais réussi à monter en division 1 en saison en ligne. Et je peux vous dire que je sais pas ce qu'il y a en division 1, mais on a vraiment des moments l'impression qu'il y a des joueurs qu'on dirait qu'ils sont même pas en division 1, qui devraient être en division 4 ou 5. Hein. Je vous le dis, hein. Il y a vraiment des joueurs qui devraient être en division 5 ou 4. Et les gars, regardez quand je vous dis 6-1, le gars était nul à chier. Hein. Je pèse pas mes mots, je mâche pas mes mots, mais il était vraiment nul à chier. Et comme vous pouvez voir, attendez, on va attendre un peu. Donc relégation, c'est 3400. Et normalement, s'ils veulent bien me afficher le truc, voilà, prix, regardez déjà le maintien, regardez juste le maintien. C'est-à-dire que si je fais juste 12 points, c'est 6750 crédits. Vous imaginez le truc quand même. Alors déjà avec la division 1 j'ai gagné, regardez, encore pas mal de crédits, 5000 environ. Et là si vous gagnez c'est 8000 crédits. Alors si vous faites plusieurs fois, vous imaginez le truc, hein. Surtout que vous avez que 10 matchs, vous avez en gros pour faire 7 matchs pour être champion, si vous faites bien sûr que des victoires. Et ben voilà, donc c'est sûr que vous pouvez largement vous éclater. Donc pour les prochains épisodes, ce ne sera plus du championnat en solo, mais du championnat en ligne, comme vous l'avez adoré dans mon FIFA 12 Ultimate Team. Ce sera donc du FIFA 13 Ultimate Team en ligne. Vous allez voir que je m'éclate dessus, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Et en espérant bien sûr qu'on se prendra pas des branlés, mais qu'on plutôt on mettra des branlés bien entendu. Donc je vous remercie encore une fois et comme d'habitude d'avoir suivi ma vidéo. Vous avez pu voir normalement au début, il y aura quelque chose que je vous tenais à vous dire. Merci en tout cas à vous tous. N'hésitez pas donc toujours à mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Vous le savez très bien, ça m'aide et ça me permet de savoir qui c'est qui aime la vidéo et qui c'est qui ne l'aime pas. Tout simplement, n'hésitez pas donc à commenter pour réagir, pour m'aider, ou pour réagir simplement à cette vidéo pour savoir si elle est bien, si la qualité est pas mal, etc. etc. Et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait comme je viens d'en parler, à vous abonner pour suivre donc le reste des vidéos, car je ne fais pas que du FIFA, je fais d'autres choses. Ça, je le répéterai tout le temps à chaque fin de vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, c'est clair que ça m'aide et ça me permet de savoir si vous êtes actif et bien sûr si vous avez envie de me suivre. Tout simplement, donc voilà. Donc merci à vous de m'avoir suivi, et moi je vous dis à plus et à la prochaine donc pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !